Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. What's up la gang, j'espère que ça va bien. Et bienvenue dans le dernier Vlogmas de l'année 2023. On est présentement le 22 décembre. Il est à peu près midi. Je commence la dernière vidéo de l'année 2023 avec vous ce matin. Mais ce matin, mais plus tard le matin. Fait que c'est ça, j'ai décidé de vous présenter, ben pas de vous présenter, mais de faire le dernier Vlogmas aujourd'hui. Je vais vous amener avec moi dans mes prochaines journées, là, probablement jusqu'au 24-25 décembre-ish, quelque chose comme ça. Ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai genre fait un petit reset morning. J'ai répondu à quelques courriels, j'ai fait le ménage, fait mon café glacé pis tout. Là, cet après-midi, ça c'était une journée de travail. Je vais éditer les recettes pompettes. J'ai aussi édité le dernier Vlogmas pour M. Fait que c'est ça, c'est crazy là. Ça passe tellement vite là, l'année. Puis ben le Vlogmas en tant que tel, je trouve ça a super bien été à date. Le Vlogmas, fait que je suis content de vous retrouver pour cette dernière vidéo là. Là, je me suis mis devant mon sapin. Question de bien commencer l'introduction. Fait que bienvenue dans la dernière vidéo Vlogmas de l'année 2023, tout le monde. Puis bien, c'est parti pour cette dernière petite vidéo festive. Donc, petite pause de montage là. Il est comme 3 heures. On dirait que je suis un peu dans l'espace du montage là. Puis genre j'ai vraiment pas fini, faut aussi que j'en fasse pour M ce soir. On dirait que vers la fin du mois de décembre, c'est souvent ça, je commence vraiment à être tanné d'éditer des vlogs, d'éditer des vidéos sur YouTube. Puis là j'ai dit que la recette pompette c'est toujours une vidéo très longue parce qu'on filme pendant genre plusieurs heures. J'aime tout le temps mieux éditer des vlogs, par contre que genre des vidéos assis de même là, genre j'aime vraiment moins ça des vidéos de même. Bref, là ça me tentait de filmer une coupe de TikTok parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps avant Noël. Fait que c'est ça, c'est pendant que l'éclairage il fait beau, je veux filmer des TikTok par rapport à mes looks du temps des fêtes. Fait que peut-être genre faire 3-4 TikTok où est-ce que je présente des idées d'outfit. Vous savez que j'aime plus ça, montrer mes vêtements pis tout. Puis là pendant mon décembre je l'ai moins fait parce que j'étais plus concentré sur le Vlogmas sur TikTok. Puis là j'ai rassemblé un petit peu du linge que j'aimais porter pendant le temps des fêtes, puis je vais créer des contenus vidéo avec. Bon, je viens d'installer tout l'événement que je veux mettre, puis je vais créer des looks avec ça. Fait que c'est très festif. Là, tu sais, j'ai du rouge ici, j'ai des tricots rouges, des chemises, j'ai cette chemise-là que j'aime tellement là, que j'ai juste mis une fois au parti de la chance pour que je travaille là, aux influences avant pendant mon stage. Sinon j'ai mes chemises très difficiles comme certains qui viennent du Zara. Ça je l'ai acheté aussi, je l'ai présenté là dans le Vlogmas, je l'ai acheté au H&M. J'ai des pantalons, j'ai ça là, mais ça tombe un petit peu sale, il va falloir que je nettoie. Bref, vraiment plein de petits looks, je pense qu'ils vont être bien cool. Puis ça me tente pour 2024 de faire plus de contenu mode, on dirait que j'ai déjà toutes les années. Puis là j'aimerais vraiment ça plus semi-plonger. Fait que je vais commencer un petit peu d'avance là, pour fin 2023. On dirait qu'à la fin de l'année, début de l'année, j'ai toujours plein d'inspiration, plein de goals niveau contenu pis tout. Pendant l'année on dirait que ça se dispersit, puis genre j'ai comme moins d'inspiration. Mais là on dirait qu'au fin d'année, début d'année là, toujours plein de créativité dans ma tête. Bon, donc voici le premier look que je vais porter. C'est une chemise que j'avais mis, je vous l'ai présenté, ben je vous l'ai montré tantôt, en velours avec mes pantalons de costume. Ils sont un peu skinny. C'est mes pantalons, j'avais mis à mon bal des finissants qui me font encore. J'ai trouvé un peu skinny, j'aime moins ça, mais je pense que ça le fait quand même. Fait qu'on va filmer ça right now. Vous voyez pas vraiment, je vais vous mettre comme ça. C'est pas comme mettre à Noël pour le jour de l'an, pour les fêtes, ben je te mords. C'est pas comme mettre pour... Tu te demandes encore ce que tu vas porter pour Noël, pour le jour de l'an, pour le temps des fêtes. Je te présente des looks dans une nouvelle série de TikTok. Et voilà, c'était mon look numéro 1 pour ma série des looks de Noël. On vient de finir le premier, la gang. Ça va bien, ça va bien. On va en faire peut-être, je sais pas combien d'autres, peut-être 4-5 de plus. Ish, quelque chose comme ça. Bref, ça va être sur TikTok, la gang. Allez voir ça. Bon, je suis à mon deuxième look. Celui-là, je l'aime tellement. C'était un miracle d'avoir un tricot rouge. Je pense que j'en ai parlé. Parce que j'en ai parlé sur TikTok. Puis là, j'ai ce tricot-là qui vient de chez H&M que j'ai acheté cette année. Je le trouve tellement beau. Je suis venu mettre mes loafers noirs, comme d'hab, avec mes pantalons Girl Crush. Pour vrai, j'ai dit à ma fête, puis j'ai goût des porter à tous les jours de ma vie. On verra pas beaucoup là parce que la luminosité commence vraiment à descendre. Mais pour vrai, je trouve ça magnifique. Je songe à mettre ça pendant le temps des fêtes. Pour le 24 ou le 25 décembre, je sais pas. On dirait que ça file très 25 décembre, mais ça file très 24 décembre aussi. Je l'aimais l'autre, mais on dirait que lui, je l'aime quasiment plus. Bon, je viens de finir tous mes looks, là, il commençait à faire noir, là. Et c'est fou, là, il est genre 4h, puis il fait déjà plus noir, là. Puis je voulais commencer à filmer à 4h, une chance que j'ai commencé plus tôt. Fait que j'ai pas mal une coupe de looks de près, je vais vous montrer dans mon camera roll, là. Il y a rien que je trouve plus satisfaisant que d'avoir plein de vidéos de même, là. Ça veut dire que j'ai été productif niveau contenu. Puis c'est con, mais comme plus tu publies, plus tu crées, plus que t'as des chances de, comme, un jour pouvoir percer, là. Je me trouve gossant avec ça, mais vous le savez. Avec ce comme un peu mon rêve de pouvoir peut-être un jour vivre de
de ma passion. Fait que je mets bien l'effort dans tout ça. Puis pour vrai, j'aime ça. T'sais, comme, ça m'a peut-être pris, c'est niaiseux, mais ça m'a pris comme une heure et demie filmer tout ça, là. Puis j'ai comme 3-4 TikTok. Puis je l'ai pas encore édité, mais comme, c'est tellement ma passion. J'aime tellement ça. Fait que là, je vais m'enlever mon linge festif. Je vais me remettre en jogging, puis en crew neck. Puis on va aller continuer le montage. Ça me tente pas vraiment, pour être honnête, là, de continuer à travailler. Mais je vais être content que ça va être fait. Puis c'est genre le dernier bliss, là, de montage, puis de travail avant les vrais congés des fêtes. Ça serait pas un vlog de Kevin Gauthier sans café glacé le matin, puis un petit peu de junk food pendant le vlog. Fait que j'en vais faire une pizza, je suis en train de travailler depuis ce matin. Je suis complètement dead live. J'ai pas encore fini l'éditing de la pizza pompette, de la recette pompette. Là, je vais me faire manger parce qu'il faut que j'édite un vlog pour M. Là, je l'ai commencé un petit peu. Fait que c'est ça, je suis vraiment dead. Puis ce soir, ça me tente vraiment d'écouter un film de Noël. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup écouter Le Grinch ou Boreal Express. C'est toujours mes deux films que je me garde vers la fin. Le Grinch, c'est mon film de Noël préféré. Puis on dirait que je ne peux pas l'écouter avant Noël. Genre, pour moi, je ne peux pas. Fait que j'aimerais vraiment essayer d'écouter peut-être avec Marie ce soir. On reste aussi des amis, nos cadeaux, moi puis Marie, parce qu'elle a commencé à travailler beaucoup pendant les prochaines journées, là, à travailler même à Noël. Hey, je vous ai même pas dit ça. Mais en parlant de Marie puis tout, je passe Noël cette année avec Marie, Mash puis Eri. Ils viennent tous dans ma famille le 24. Habituellement, je vois comme plus de la famille le 24 et tout. Là, mes grands-mères vont être encore là. Le frère de ma grand-mère aussi, je crois. T'sais, ma petite famille proche, sauf mon frère, parce que le 24, il la passe chez sa blonde. Puis c'est ça, puis là, ça fait une couple d'années, là, j'aurais peut-être 2 ans que moi et Eri, on n'avait pas de parler qu'on aimerait full ça, que nos deux familles puis genre se matchent ensemble pour passer le réveil ensemble. Puis là, on en a parlé à nos parents, puis ils sont full down, puis c'était chez nous, Noël, cette année, le 24. Fait qu'on les a invités, puis ils viennent, puis ils marchent à la vieille non plus, fait qu'elle vient. Fait qu'on va être vraiment le fun, Fred doit être là, on va faire des jeux, puis tout. Fait qu'en tout cas, ça va être un Noël entre amis et entre familles, tu sais. Oui, Noël, c'est beaucoup pour passer ça entre familles, mais je pense aussi, tu sais, pour les amis, moi, tu sais, mes amis, c'est comme ma famille, tu sais. Fait que ça va être ça, ça risque d'être bien excitant. Je risque de vous vlogger. Habituellement, je vlogue pas vraiment le 24, là, mais là, si j'étais avec Marie, j'étais avec Marche, j'étais avec Eri, Fred, c'est probablement ça que je vais vlogger. Bon, je sors de la douche, je me suis rasé, puis quand je me rase, j'ai toujours la peau, on me dirait un petit peu plus sèche, là, quand je sors de la douche, tout, évidemment, parce que, tu veux pas, il y a quand même des larmes qui passent sur mon visage. Fait que c'est ça, je vous ai déjà partagé ma routine soirée, je vous la repartagerai pas. Update sur le sérum Olan Wixen, je sais pas si je l'aime. J'aime quand même la texture, j'aime l'odeur, c'est frais, vitamine C, je me dis que ça l'aide peut-être, mais on dirait que je sais pas, quand je le mets, ça me brûle un petit peu la peau. Je me suis rendu compte que ma peau est rendue vraiment plus sensible qu'avant. Avant, elle était comme pas tant sensible, mais là, elle est rendue vraiment plus sensible, vraiment plus sèche un petit peu que grasse, mettons. Fait pour ceux qui avaient manqué un de mes derniers vlogs, là, je vais vous présenter ce sérum que j'ai acheté au Marshall, qui est le Olan Wixen, le True Serum, collagène boosté, boostant collagène True C Complex. C'est ça, j'aime la texture, par contre, il me brûle un petit peu. Je sais pas si c'est normal, je sais pas si c'est les ingrédients qui marchent, qui font comme effet. Mais ouais, on dirait que je sais pas. Ça se dit appliquer tous les jours, appliquer uniformément sur le cou du visage, après l'absorption, appliquer la crème hydratante. Je vais continuer à le tester, mais on dirait à date, j'ai pas un coup de cœur. Bref, quand j'ai la peau, c'est ça, quand j'ai la peau comme plus sèche et tout, j'aime vraiment ça venir utiliser ce masque, en fait, ce bain d'hydratation de nuit. Donc le Water Sleeping Mask de Clorane. J'en ai déjà parlé, mais je crois vraiment que Clorane, c'est une marque qui est pas assez connue, qu'on parle pas assez. C'est une bonne marque. C'est comme une espèce de baume, justement, super hydratant. Je sais pas si vous allez voir la texture, mais comme un petit peu comme gel aussi, tu sais, c'est comme pas hyper riche. J'aime vraiment ça pour vrai, puis je viens l'appliquer sur mon visage quand j'en ai besoin. Pas tous les jours, mais quand genre je sens que j'ai comme besoin de plus d'hydratation, ben j'en mets. Puis genre je sens que ma peau elle l'absorbe vraiment bien, là. Fait que je vous le conseille si jamais vous cherchez une marque à tester dans la pharmacie, Clorane. J'aime vraiment, 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 vraiment les produits. Je crois que ça méritait d'en reparler. Puis ils m'ont aussi envoyé une nouvelle gamme, là, Clorane, justement. Je suis pas payé pour vous parler de ça du tout. Mais c'est la crème riche apaisante de la collection à l'apivoine. Je vous en ai pas encore parlé parce que je l'ai pas encore testé. Fait que je vais juste vous en parler quand je vais l'avoir testé. Fait que sur ce, moi et Marion, ça va se donner notre cadeau de Noël. J'ai tellement hâte. Est-ce qu'il était prêt? Ça me stresse. Moi aussi. J'ai envie de te donner le mien en premier. Moi, j'aurais aimé commencer. C'est notre dernier Noël à l'appartement, la gang. Notre dernier échange de cadeaux. Crazy. Attends, roche, papier, ciseaux. Ouais. Tu comprends? Deux fois ou une fois? Mais juste une fois. Ok. Roche, papier, ciseaux. Yes! En vrai, je suis stressé. Moi aussi, je suis stressé. Quand tu vas le déballer, tu vas pas le voir. C'est une boîte par rapport. Attends, je vais le filmer avec ça. Mais là. Ce sera pas long, là. C'est ça, bébé, avec un influenceur, la gang. Christmas is coming. Start sending your letters off to Santa.
Tadam la gang, voici ma veste que Marie m'a donnée pour Noël. Je l'avais déjà présentée, je pense, sur TikTok ou même sur YouTube. Et comme quoi, je voulais l'acheter à VHM, mais je l'avais comme pas acheté parce que j'étais comme, j'ai tellement de vestes là, genre là-bas, que je trouvais ça pas tant justifiant, mais là, me l'acheter. Elle se souvenait que je la voulais. Je l'avais demandé, genre, dans ma liste d'idées de cadeaux pour ma fête. Je suis trop content, je l'aime vraiment. C'est genre un full de beau bleu. Puis moi, je trouve vraiment que le bleu, c'est la couleur qui me va le mieux. Avec mes cheveux blonds, mes yeux bleus. Puis là, on fait une petite soirée de coloc de Noël. On s'en va écouter le Grinch, qui est mon film de Noël préf. La gang, on s'est pas encore parlé aujourd'hui, on est vraiment tard. Je pensais vlogger un petit peu aujourd'hui, vous avez vu quelques clips de moi qui relax. Je pense que c'est vraiment le mot de la journée. J'ai travaillé un petit peu là ce matin, j'ai quand même édité une vidéo complète pour M. Je lui ai envoyé, puis j'ai fini d'éditer ma petite pompette, puis j'ai édité aussi des TikTok. Mais c'est pas mal ça, sinon j'ai vraiment relaxé. J'ai fait une sieste sur mon divan pendant comme 1h30 jusqu'à genre 5h30 pour vrai, ça a tellement fait du bien. Je pense que je suis quand même fatigué, puis genre je pense que c'est comme le stress de la fin de session du vlogmas tout qui vient comme de retomber, puis on dirait que j'étais dead. Tu sais, genre le genre de journée où tu vas en pyjama pis tu fais rien, genre tu relaxes. Mais c'est vraiment une journée comme ça aujourd'hui. Fait que ça l'a vraiment fait du bien. Là, il est 9h, je pense. Ouais, à peu près 9h. J'ai obtenu un petit film de Noël. On est le 23 décembre. J'en reviens pas que demain, c'est déjà le réveillon de Noël. Ça passe tellement vite. On dirait qu'à chaque année, j'en reviens pas. Mais je trouve que particulièrement cette année, ça l'a passé à une vitesse folle. Fait que c'est ça. Faut que j'emballe un dernier cadeau de Noël, qui est le cadeau de Noël à Fred. Puis là, je vais aussi écrire dans sa carte. Je fais jamais de carte vraiment dans la vie, là. Je sais pas pourquoi je pense juste pas. Mais à Fred, je sais qu'il aime toutes ces petites attentions-là. Fait que j'ai acheté cette carte-là pour Joséphine, qui est une petite un petit peu cadeau pour les Québécois à Sherbrooke. Puis je la trouve vraiment bien. Il est marqué Joyeux Noël, mon amour, avec des petites mitaines. Puis en plus, il m'a dit qu'elle aussi l'avait acheté. Il m'a dit, toi, c'est-tu elle avec les deux petites mitaines? J'étais, oh fuck, c'est celle-là que je parle. Mais j'ai dit non, c'est pas elle. Mais c'est elle, je la trouvais vraiment mignonne. Comme ça ici. Je vais écrire pour lui souhaiter Joyeux Noël. On se donne nos cadeaux demain. Sur ça, je vous laisse pour l'instant. Je me mets à emballer des cadeaux, sa carte. Puis on se reparle, comme j'ai dit tantôt, ou demain. Bon, 24 décembre, la gang. J'espère que ça va bien. J'allais bien dans un nouveau vlog. Maintenant, c'est la suite du vlog. Donc, comme je viens de dire, on est le 24 décembre le matin, on dirait que j'en reviens pas qu'on est déjà la veille de Noël. Ça a tellement passé vite le mois de décembre là. Fait que c'est ça, je suis déjà tout habillé pour le réveillon. Ce soir c'est chez mes parents, mais on s'en va chez Fred avant. Je me fais un petit smoothie. On dirait que c'est dansé, je suis vraiment dans ma smoothie era. Fait que c'est ça, je suis déjà habillé. J'ai ma belle chemise en velours qui vient de chez Zara. Et donc c'est ça, Fred il va s'en venir dans à peu près une heure. On va aller nos cadeaux. Moi ils sont tous déjà là, les cadeaux à Fred. Puis lui il va les amener. On dirait que j'en reviens pas. On dirait que j'ai comme hâte, puis j'ai pas hâte en même temps. Il y a toujours ce sentiment là, le 24 décembre, où est-ce que t'as comme hâte de voir la famille, les amis, puis comme de célébrer, mais en même temps t'as comme pas parce que ça veut dire que ça va être fini, t'sais. Puis après ça, ben Fred va s'en venir, après on va aller chez ses parents, puis après ça chez mes parents. Finalement je me suis changé la gang, je trouvais que ça faisait plus Noël le rouge. Fait que j'ai mis ça avec mes pantalons. Girl crush que Fred tu les appelles comment? Les pages. Fait qu'on va donner nos cadeaux, mais on va pas le filmer vu que c'est un petit moment. Oh là la gang, moi et Fred on vient de se donner nos cadeaux de Noël. On dirait que c'est triste parce qu'on a déjà fini nos cadeaux. Fait que je vais vous présenter ce qu'il m'a donné, parce que je sais que c'est toujours le fun. Puis après il va vous présenter ce que moi je lui ai donné. Fait que notre budget initial c'était 100$, 150. On l'a foulé les deux très dépassés, mais au moins c'était quand même équivalent. Premièrement, vous savez, là je porte toujours un tote bag quand je m'en vais à l'Uni, peu importe. Puis là il voulait m'en donner un comme plus pas de qualité, mais comme tu sais, avec des compartiments. Fait qu'il m'en a donné un de la compagnie Chow Totes, qui est une compagnie québécoise, que moi je ne connais. Hey, tu m'as tout acheté du québécois? Parce que lui, Fred, il adore donner du québécois. On dirait que moi, depuis que je suis avec, je suis un peu plus incité à ça, mais moi, jamais j'achetais de québécois avant. T'sais. Fait qu'un beau tourbac comme ça, vraiment simple, neutre, mais que comme un compartiment, il m'a dit de mettre ma bouteille d'eau dedans, comme ça, je ne vais pas pouvoir renverser ma bouteille d'eau sur mon ordinateur. Les Reels qui m'ont suivi depuis ce temps-là le savent. Tu sais, il est vraiment tic, là. Puis, il est quand même gros, fait qu'on va mettre beaucoup d'affaires dedans. Puis ici, une autre petite poche que je vais pouvoir mettre mes AirPods et tout. Deux produits de chez Bloom! Vous savez probablement c'est quoi là sur TikTok, super populaire, la compagnie québécoise Bloom, Self Care by Bloom. C'est drôle parce que l'autre fois quand on est allé au Old Navy, tu sais, ils vendent genre du ELF au Old Navy. Puis là, je l'ai acheté genre le gel à sourcils parce que j'en ai presque plus du mien. Puis là, quand je l'ai comme pris, Fred, c'est quoi tu m'as dit? Non, prends pas ça, j'étais même. Ben voyons, fait que c'était parce qu'il m'avait acheté le Bloom. J'avoue que c'est surtout que c'était le même produit là. Fait qu'il m'a acheté le gel à sourcils qui était genre full populaire sur TikTok. Comme ça, tu sais, en petit pot. De même. Ouais, mais c'est ça, je pense que sur le site, il y en a plus, mettons, là. Avec le petit goupillon, de même. Fait que je vais le tester tantôt. Puis, il m'a aussi acheté un blush de la même compagnie. Le blush en crème, super beau. La teinte, c'est quoi? Cherry Pie. Regardez ça comment l'emblage est beau.
De même. Ça fait chic. Ouais, puis il est comme moi, là, je trouve ça vraiment beau. Fait que voilà, et comme dernier cadeau, ça, j'étais vraiment content, il m'a acheté des pantalons Noble. Fait que la compagnie Noémie Lacerte, moi, j'avais jamais eu des produits de la compagnie. Puis là, il était bien stressé que ça me fasse pas parce qu'il avait peur que ça soit trop petit. Mais moi, il faut savoir que je porte du 00. C'est ça qu'ils sont femmes. Des beaux pantalons, dans même un peu cargo, tu sais. Ouais. Fait comme ça, bleu marin avec les coutures, je le trouve tellement beau. Ah, j'avais pas vu qu'il était marqué ici. Noble. Puis il est vraiment beau. Ben, ils sont vraiment beaux. Fait que voilà, merci, my love. Hello, c'est mon tour de montrer ce que Kevin Chou m'a acheté. Premièrement, j'ai eu un format voyage de mon parfum. J'aime toujours ça, avoir un mini format dans mon auto pour quand je vais ici par le. Ouais, quand j'ai peur de puer dans la vie, moi, c'est une de mes phobies. Fait que j'aime toujours ça en avoir un. J'ai un tout petit collant trop mignon. Pour mettre sur mon ordi. J'ai trop hâte de le mettre sur mon ordi pour remplacer lui que j'ai présentement. Moi, dans la vie, j'adore la papeterie. Moi, j'ai déjà une compagnie de papeterie et tout. Fait que je trippe tout ce que les compagnies de papeterie te la font. Fait que là, on voit pas bien à cause du reflet. Mais c'est un petit organisateur de vie. Fait que on peut mettre mes activités. Si j'ai des gens à contacter, des petites notes, des idées de repas, même si sûrement que ça va être marqué McDo, Subway. Mes boxeurs préférés dans la vie, c'est les Bamboo Underwear. J'en ai d'autres là, dans la vie que des Bamboo Underwear, mais je trouve que c'est eux les plus confortables et eux qui me font le mieux. J'ai eu de Kevin deux paires, une mauve et une bleue. Avant dernier truc, ça je m'en attendais vraiment vraiment pas, c'est que moi puis Kevin on allait dans une librairie genre il y a une semaine, puis j'ai juste dit hey, ce livre là je le trouve tellement beau, genre c'est un, je l'ai vu le film, je l'ai vu en pièce de théâtre, j'ai lu le livre au secondaire, en secondaire 4. Il m'a acheté la version, je sais pas si on peut appeler ça roman graphique. Ouais, c'est une version illustrée, c'est pas un roman, c'est comme entre un album pis un roman genre. Mais les illustrations sont magnifiques là, je sais pas si vous voyez. Donc, je suis vraiment content. Puis c'est le genre de livre que jamais je me racheter parce que je le trouve beaucoup trop dispendieux pour comme s'acheter ça. Puis pas admettre, ouais, justifier le fait d'acheter un livre autant cher pour moi. Puis il est juste beau. Fait que c'est le genre de livre que je vais lire. Je reviens dans ma bibliothèque. Dernier et non le moindre. Je m'attendais vraiment, vraiment pas. Genre, je m'attendais à avoir un coton watté parce que je sais que Kev adore. Non, je sais que Kev sait que j'adore les cotons wattés. Puis aime ça me donner du linge. Puis c'est une petite carte de mode. Fait que je m'attendais à comme. Coton watté, je sais pas si vous allez voir, de la marque Essentials. Pour ceux qui connaissent pas, mais c'est une compagnie qu'on voit beaucoup sur les Pinterest et les Instagram de ce monde. Je m'y attendais zéro. Puis là, comme Kev il dit, je sais pas si vous le montrez, là, mais la coupe est comme spéciale pour un coton watté, mais quand on le rentre dans nos pantalons, c'est vraiment beau. C'est très carré. Très carré, mais je l'aime vraiment, vraiment. C'est ce qu'il m'a offert. Puis c'est ça. Je suis vraiment reconnaissant de l'avoir dans ma petite vie. Voilà. Bon la gang, on se retrouve dans ma salle de bain, on va tester le nouveau blush de chez Bloom. Je suis tellement content, pour vrai j'ai tellement des beaux cadeaux, je suis tellement reconnaissant. Si je l'ai utilisé, oui c'est dans la couleur Cherry Pie, j'ai entendu dire qu'il était vraiment pigmenté, genre vraiment. Ouf! Tu trouves, pensez? Non, je pense pas. C'est vrai qu'il est pigmenté en tabarnouche, hein? Ça va me durer 10 ans. Ah, il a l'air beau. Bon, je peux peut-être en mettre un peu plus là. Donc on va en mettre un mini peu... Fuck. Bon, je vais continuer ici, Fred, faut qu'il y ait aux toilettes. Puis quand Fred va qu'il y ait aux toilettes, tentez-vous de là, faut qu'il y ait aux toilettes. Fait qu'on va continuer, j'ai vraiment peur d'être vraiment... Oh, fuck. J'en ai trop mis, je crois. Ah non, je pense que c'est beau. Parce que je m'arrange la face, là, je vous montre un peu. Ok, on est maintenant rendu au gel à sourcils. Je vais te déposer parce que j'ai mal au bras. Bon. Fait que c'est la première fois que j'utilise un... On dirait que ça paraît pas à la caméra, mais j'ai quand même du blush, là. C'est la première fois que j'utilise un gel à sourcils comme ça. Je pense qu'il faut pas trop en mettre. Oh my god. Faut pas trop... pas toi, mais c'est beau! C'est beau par exemple! Il te fixe ça que le dog! Genre, je le sens fixé là! Il est vraiment de bonne qualité! Ouais. Quand vous achetez des produits Bloom, c'est vraiment en mode parcimonie! Ils sont tellement fixés là! J'ai jamais les sourcils fixés de même de toute la vie! Non, je peux pas, Kev! Va falloir te redescendre un peu! Hello! On est bien rendu chez mes parents! Tu veux-tu te faire un je vais vous montrer Théo! Comment il a rendu le poil! Ma foi, très long. Ah, Théo! Puis, regardez tous les cadeaux qu'on a ensuite là. Bon, c'est pas tout à moi. Il y en a aussi à mon frère et à d'autres gens de la famille, mais bon. Fait que c'est ça. Le mash, Marie, Riz et tout, ils vont s'en aller dans pas si long. Fait qu'on a bien hâte. Ma mère, elle nous a servi un petit verre de pote. Je vais essayer de vlogger la soirée. On a préparé des jeux en mode 1 minute pour gagner. Voilà! Donc, la bouffe est servie. Les gars, là, c'est des petits bouchées comme ça. Comme ça. Comme ça, du pain, du craquelin, ça c'est bon, du saumon fumé, j'adore. Ça a de pâte, c'était saucisse. Fait que voilà. On est tourné là!
Ah ouais, il y a pas de dans l'équipe. Maman, viens. Manon, 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 Manon. Il y a juste fait qu'elle Hey, on n'en met pas gros, là. Mais c'est ça qu'à la première coche. C'est-tu un shot ou une shot? Un shot. Un shot. C'est une shot. Une shot. Ils en font plus, Manon. Okay. Okay. Ouh. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël de la gang, bonne année! Non, c'est pas la nouvelle année! Non mais moi je sais pas, c'est quand? Ben, je dis joyeux Noël et bonne année! Joyeuse fête! Hello gang, j'espère que ça va bien! Bon, je sais que c'est le même blog que le début de ces clips-là. Je vais mettre un petit café glacé du matin. On est quelques jours plus tard, on est le 27 décembre ce matin. Je vous ai comme pas vraiment refilmé depuis. Puis bon, vous l'avez vu que le dernier vlogmas c'était comme pas posté nécessairement le 25 décembre comme je faisais avant. C'est une nouvelle formule que j'avais faite l'année passée aussi. Le dernier, je m'étais comme laissé quelques jours pour faire le montage parce que ça me tentait pas, tout simplement, pour être full honnête avec vous, ça me tentait pas de faire le montage. Fait que j'entends mon dernier clip du vlogmas 2024-2023, la gang. J'espère que vous avez passé un beau Noël, la gang, puis que vous allez pouvoir en profiter pour relaxer. Je pense que c'est ça le plus important. Moi, j'ai vraiment relaxé, là, juste genre les deux derniers... Ben non, j'ai dit les deux derniers jours, c'est pas le cas, là. Le 25, c'est vraiment une grosse journée, on avait de quoi, genre le midi du côté de la famille africaine de son père, après ça, le soir du côté de la famille africaine de sa mère. Mais hier, j'ai vraiment pris le temps de relaxer. Tu sais, genre une journée où est-ce que tu ne fais rien, là. Genre absolument rien, tu fais juste relaxer. Ben, c'est ça, j'ai filtré un petit peu sur des visuels pour m'accomper, puis j'ai écouté The Crown, en tout cas, vraiment, la journée par excellence. Bref, c'est pas de ça qu'on voulait parler, que je voulais parler de ça aujourd'hui. Je voulais juste vous remercier, la gang, d'avoir été présent. Je pense que chaque youtubeur, on se doit faire un petit clip comme ça, là, à chaque fin de vlogmas. C'est ma, je sais pas trop, c'est ma combienième année que j'ai fait le vlogmas. Bon, ça a différé un petit peu, là, entre les années, c'était pas tout le temps pareil, parce que, ben là, mettons, live, avec comme un certain nombre de vidéos, je m'étais fixé un objectif de 8 vidéos, puis je suis vraiment content d'avoir atteint. Merci full de m'avoir suivi encore une fois, la gang, dans cette belle aventure-là. Je trouve que le mois de décembre, c'est un mois magique, c'est un mois le fun, autant pour le contenu que pour la vie en général, puis j'aime vraiment ça documenter ma vie. C'était mon dernier aussi Noël ici dans mon appartement à Sherbrooke. Je trouve ça beau d'avoir ces beaux memories-là, ces beaux souvenirs-là sur ma chaîne YouTube en vidéo qui vont toujours rester là. Fait que voilà, là, je vais pas éterniser non plus pendant genre 10 minutes, mais je pense que vous savez que je suis vraiment reconnaissant de vous avoir dans ma vie depuis de nombreuses années. YouTube, c'est un médium puis une plateforme que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai vraiment de fun à créer là-dessus puis à vous parler. Je trouve qu'on a une bonne proximité. Merci pour les nouveaux abonnés également qui se sont joints pendant le mois de décembre. Nous, on va se retrouver en janvier. Je vais prendre une mini pause et nous, cette vidéo-là va être en ligne, je sais pas, sûrement dans les comme 2 prochains jours. Fait que voilà, merci full de l'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi pendant le vlogmas 2023. Je vous aime fort, fort, fort. Puis bien, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo ou sinon sur mes autres médias sociaux. Là, mais genre, si on parle juste de YouTube, ben, ça va être très bientôt. Fait que sur ce, je souhaite une très bonne année 2024 aussi. On se reverra pas d'ici là. Prenez 5 de baffes avec vos familles, vos amis, vos proches, vous-même. Je pense que c'est important de se ressourcer. Puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo en janvier. Cheers, bonne année, je vous aime. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing.